Il s'agit d'une réalité que le monde a quasiment oubliée. Pendant les XVIIe et XVIIIe siècles, l'Europe était dans le chaos. Le capitalisme émergeait et souhaitait se débarrasser de l'entrave de l'Église et du féodalisme. Différentes églises catholiques étaient en désaccord à propos des rites. Contre toute attente, le christianisme n'a pu convaincre la Chine, tandis que les nouvelles sur ce pays envoyées en Europe ont permis non seulement d'esquisser une Chine parfaite, mais de créer une bombe idéologique. Les penseurs des Lumières la considéraient comme un coup fatal au magistère. De ce point de vue, la sinologie était à l'époque un bâton de pouvoir. Ceux qui maîtrisaient les études chinoises pouvaient voir la lumière à travers l'obscurité du règne de l'Église. En novembre 1704, à Rome, le pape Clément XI a publié l'interdiction aux adeptes de pratiquer le culte de Confucius et des ancêtres, dans l'espoir d'apaiser la constante dispute autour des rites. Contre toute attente, la dispute ne s'est pas apaisée et s'est étendue. Pendant le XVIIe et au début du XVIIIe siècle, l'influence de la Chine sur l'Europe était plus grande que l'inverse, a écrit Stavrianos, historien américain, dans L'histoire globale de l'être humain. Un empire à la gouvernance intègre, une moralité pure et juste et un environnement religieux tolérant est devenu la meilleure arme dans la critique du magistère et de la royauté de l'Europe. Selon l'Église, ces philosophes dangereux ne veulent qu'éventrer des prêtres et étrangler le roi en utilisant la Chine comme prétexte. Confucius donne le pouvoir aux philosophes, leur permettant de soumettre la violence à la raison et d'établir le règne des philosophes. Une lampe va bientôt en allumer une autre. En juillet 1721, à l'occasion d'une réunion à l'université Martin Luther de Halle-Wittenberg, rassemblant plus de 2000 personnes, un discours intitulé « À propos de la philosophie morale des Chinois » fut prononcé. L'orateur était Christian Wolff, professeur de mathématiques et de philosophie naturelle. Ce jeune chercheur était apprécié par Leibniz. Selon Wolff, la longue histoire et la civilisation brillante chinoise étaient basées sur une philosophie mystérieuse qui s'enracinait dans la nature de la raison de l'être humain. C'était une science visant le bonheur. Wolff 就强调那个从自然神论那个角度，讲万物都存在着，用他自己的道理，应该接近这个万物，而且中国他主要是强调中国并没有宗教信仰。 他所以被禁教原因就是，中国并没有宗教信仰，就儒家并不是一个宗教，但这个国家生活的很好，吃的很好，过得很好，是吧？他实际上这里头潜台词就是反宗教啊。他认为中国人你不相信天主教，不等于他们是无神论者，他们是有神论者，什么神？就是自然神。 Le discours s'est terminé dans un tonnerre d'applaudissements. Mais Wolff a été licencié par l'université
pour avoir diffusé la pensée chinoise. 2 ans plus tard, Frédéric Ier, roi de la Prusse, a décrété que Wolff devait quitter son territoire dans les 48 heures, sous peine de pendaison. La persécution a créé un héros. Peu après son expulsion, Wolff a été recruté par l'université de Marbourg et Pierre le Grand l'a invité à devenir directeur adjoint de l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. Bien que Wolff n'ait pas quitté Marbourg, le tsar lui donna une subvention. En 1728, dans un autre discours, le philosophe roi et la politique des philosophes, Wolff étudia comment la philosophie morale de Confucius pouvait créer un roi citoyen. La philosophie donne aux gouvernants la raison comme principe de règne, et il en résulte le meilleur régime du monde. Wolff s'écria : le roi est philosophe, le philosophe est le roi. Cette scène, décrite par Platon dans La République, a été réalisé en Chine. À mesure que le mouvement des Lumières émancipait l'esprit de l'homme, la pensée chinoise est passée de philosophie naturelle à philosophie politique. En 1740, 4 luxueux carrosses s'arrêtent devant la porte de l'université de Marbourg. Il s'agit de l'envoyé spécial de Frédéric II, qui souhaite inviter le grand penseur Wolff à retourner en Prusse. Dans la lettre adressée à Wolff, le roi, très influencé par la philosophie des Lumières, a ainsi écrit : est enfin arrivée l'ère où les philosophes deviennent les maîtres du monde et les conseillers de la haute noblesse. Au XVIIIe siècle, il y a un mouvement important, surtout dans les milieux aristocratiques et parmi les philosophes qui fréquentent ces milieux aristocratiques, pour se libérer des préceptes et des croyances du christianisme. Alors, pour s'en libérer, il y a toutes sortes de méthodes. Et l'une de ces méthodes consiste à montrer qu'on peut être un grand peuple vertueux sans religion, et en tout cas sans la religion chrétienne. C'est quelque chose qui est effectivement nouveau pour l'Europe, qui est l'idée d'une bureaucratie en substitution de l'aristocratie. Substitution à la noblesse de sang et à l'héritage des fonctions, par filiation, quelque chose qui est des concours, donc lié à un savoir, à un talent, qu'on appelle le mérite, n'est-ce pas ? Donc il y a quelque chose là où la Chine, par ambiance, n'est-ce pas, est importante en Europe. La culture chinoise est passée du théisme à la philosophie, voire à la philosophie contre le théisme. Pour les philosophes, les traditions chrétiennes sont le plus grand obstacle à la transformation de la société par la raison et à l'émancipation de l'homme de la superstition et la peur. Une autre lampe s'allume. Au printemps 1769, un livre intitulé « Le régime autocratique de la Chine » a suscité un nouveau débat en Europe. Selon le livre, le régime chinois est basé sur des lois raisonnables et constantes. L'empereur met ces lois en application et les respecte lui-même de manière discrète. L'auteur du livre est François Quesnay, fondateur de la physiocratie. Pour montrer l'autorité du livre, ses collègues ont même prétendu que le livre avait été publié à Beijing. L'objectif du livre était de contrer l'idée que le bâton gouvernait la Chine. Cette idée a été proposée par Montesquieu
penseurs français importants des Lumières. En octobre 1713, dans un petit appartement de la rue Guénégo à Paris, un jeune Chinois, Huang Jialue, était en train de traduire un livre de la Société des Missions étrangères quand il fut obligé de suspendre son travail. Un Français venait le voir sous recommandation d'un ami. C'était Montesquieu, baron français, penseur des Lumières, sociologue et fondateur du droit public moderne. Huang Jialue 18世纪初 到法国去的一个教徒。 这个人呢，在1713年 和孟德斯鸠相识。 他们交往呢，根据有关的资料考察，有将近3个月。 期间呢，他们见面不下于8次。他们每次见面谈的，我不敢说唯一的内容，最主要内容就是关于中国。Né en novembre 1679 à Poutienne, Fujian, Huang Jialue s'est converti au christianisme très jeune, en suivant la tradition familiale. Fin 1701, il a été emmené en Europe par les missionnaires qui ont rendu compte de leur mission à Rome. Montesquieu n'avait ni connaissance ni intérêt sur la Chine avant leur rencontre. Huang Jialue lui a parlé des caractères et de la croyance des Chinois, présenté l'histoire, la religion, la philosophie, la littérature, l'administration, la législation, les examens impériaux et analysé les caractéristiques de la langue chinoise. Montesquieu a attaché de l'importance à leurs entretiens et en a fait 3 enregistrements, dont le plus long faisait 20 de pages. En 1748, Montesquieu a fini son chef-d'œuvre, De l'esprit des lois. Selon Montesquieu, le pouvoir de l'État devait être divisé en 3, à savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire, qui se séparent et se restreignent afin de garantir les intérêts fondamentaux du peuple. Le principe de distinction des pouvoirs est devenu plus tard la fondation de l'établissement des États-Unis. Dans « De l'esprit des lois », Montesquieu a pris la Chine en mauvais exemple et lui a adressé de vives critiques. Le monarque chinois a des pouvoirs illimités. La vie et les biens du peuple sont à sa disposition. Les peines chinoises sont terribles. La famille de celui qui désobéit au monarque est tuée avec l'auteur du crime. C'est cette affirmation que Quesnay a attaqué le plus. En défenseur de la Chine, Quesnay soutenait le régime chinois. La physiocratie privilégiait l'ordre naturel et considérait l'agriculture comme seule source de richesse et la base des revenus sociaux. Et par exemple, il dit que le commerce n'est pas important. Et c'était l'idée qu'on avait parce que on savait que la Chine faisait du commerce avec l'étranger, mais c'était surtout le commerce intérieur qui était important. Quesnay reprenait ses idées pour dire que finalement, oui, c'est seulement l'agriculture qui crée des richesses.
Quesnay était aussi l'avant-garde qui a introduit un autre penseur chinois, Lao Tzu, en Occident. Il a traduit l'idée de non-agir par laisser-aller. Et cette pensée a été développée par Adam Smith, ami proche de Quesnay, dans Sa richesse des nations. Et il l'a transformée en la main invisible qui régulait l'économie de marché. De la Renaissance au mouvement des Lumières, les missionnaires ont créé une Chine révolutionnaire qui est devenue la muse de la culture moderne, de l'Europe et des États-Unis. On ne peut pas dire que la philosophie chinoise ait réellement nourri la pensée des philosophes des Lumières françaises, ni d'ailleurs européennes, parce que d'abord, ils n'en connaissaient que des morceaux, que des bribes. Mais ce que l'on peut dire, c'est que les philosophes français ont tiré de ce qu'ils savaient de la philosophie chinoise des preuves supplémentaires de leur système de pensée. Les entretiens de Confucius pourraient à eux seuls vaincre les sept sages de Grèce. Cette affirmation de Quesnay révéla l'image de protecteur de Confucius aux yeux des penseurs des Lumières au XVIIIe siècle. Ces porte-drapeaux du mouvement des Lumières considéraient les valeurs sur l'humanisme, la démocratie, l'égalité, la liberté et la fraternité comme des cadeaux du ciel et une arme puissante contre la féodalité et le despotisme religieux. Parmi ces porte-drapeaux, Voltaire demeure la fierté de la France. Voici un bâtiment ordinaire du 4e arrondissement de Paris. L'originalité du bâtiment consiste en son hall, dans lequel chaises, tables et styles décoratifs sont tous des produits chinois. Les peintures ont été dessinées par le propriétaire, Victor Hugo, célèbre écrivain français. Le réalisme et l'humanisme traversant les œuvres de ce leader de la société française du 19e siècle provenaient de Voltaire, la conscience de l'Europe. Voltaire, seul, je le répète, déclara la guerre à cette coalition de toutes les iniquités sociales, à ce monde énorme et terrible, et il accepta la bataille. Et quelle était son arme ? Celle qui a la légèreté du vent et la puissance de la foudre, une plume. Ce paragraphe est tiré du discours de Hugo, à l'occasion du centenaire de la mort de Voltaire. Voltaire préconisait les droits naturels des individus et pensait que l'homme était né libre et luttait pour sa liberté. Il a attaqué avec ses articles le magistère et les pouvoirs du roi. Voltaire s'est intéressé à Confucius très tôt. Donc, pour répondre, je dirais de manière plus brève, Confucius intéresse Voltaire parce qu'il lui permet d'élaborer ce qu'on appellera plus tard le déisme voltairien. Point n'est besoin d'un dieu révélé, une simple philosophie morale nous suffit à vivre. L'année 1733 a vu naître les lettres philosophiques de Voltaire. L'œuvre a été réputée comme étant la première bombe lancée contre l'Ancien Régime. Mais l'objectif de l'écrasement d'un ancien monde est la création d'un nouveau. Comment le faire ? La poésie de ce soir, en prenant les ailes de l'aigle, s'envole vers la Chine en Orient, où le soleil se lève, vers la vertu fraîche, pour apporter la moralité de Confucius aux spectateurs, au pays natal de la Bretagne. Le 20 août 1755, dans la salle bondée de l'Opéra National de Paris, la pièce de théâtre intitulée « L'orphelin de la Chine » de Voltaire a été présenté pour la première fois à Paris et a obtenu un grand succès. Who are you? I'm a traveling doctor and my name is Chung Ying.
Where are you coming from? I've been brewing herbs and roots and administering medicines in the princess's palace. Go. En 1755, l'orphelin de la Chine a un succès fou, puisque, à côté du drame exotique, cette pièce est porteuse d'une leçon philosophique, c'est que lorsque tu as la raison avec toi, lorsque tu as la dignité avec toi, lorsque tu as l'amitié et l'hospitalité avec toi, sur le long terme, tu réussis à vaincre le vainqueur, à soumettre le vainqueur. Zhang Ying, take this child and be on your way. If Tuan Gu asks, I'll answer for it. Thank you, General. Joseph Henri-Marie de Prémar, sinologue français, est le premier à introduire l'orphelin de la famille Jia en Occident. Ayant été emmené en Chine par Joachim Bouvet, il maîtrisait le chinois et avait des connaissances très profondes de la culture chinoise. Son Notitia Lingua Sinicae a brisé le cadre des études du chinois à partir de la grammaire du latin, mais s'est concentré sur les caractéristiques du chinois. Ainsi, ce livre a été considéré comme la meilleure des œuvres du genre. En 1732, Joseph-Henri-Marie de Prémar a traduit à Guangzhou l'orphelin de la famille Jia en français. Il a choisi cette pièce parmi des centaines de chants de la dynastie Yuan parce qu'il voulait probablement que les Européens découvrent la civilisation et la moralité de la Chine à travers cette tragédie. Évidemment, c'est l'éthique chinoise qui a touché Voltaire. En lisant attentivement Confucius Sinarum Philosophus, Voltaire a découvert la moralité la plus pure. Le confucianisme est admirable, sans superstition, ni légende ridicule, ni doctrine méprisant la raison et la nature. Voltaire s'est déclaré disciple de Confucius et a dit qu'aucun législateur n'a prononcé au monde une vérité plus utile que celle prononcée par Confucius. Celui qui veut être aimé par autrui doit d'abord décider d'aimer les autres. Celui qui veut l'indulgence d'autrui doit d'abord décider d'être indulgent lui-même. Il a établi la conviction d'écraser les gens déshonorants par la Chine. En 1756, après 16 ans de création et d'édition, l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations, composé de 7 volumes, a été publié. Dans cet essai, Voltaire a fixé l'année du début de l'histoire de la Chine à 2602 avant Jésus-Christ. Partant de la raison, d'une manière créative, il a fait l'histoire du christianisme, basant sur l'Europe l'histoire du monde et a levé l'histoire de la politique et des affaires militaires au niveau de l'évolution de la civilisation. Donc la Chine vient jouer un rôle significatif dans le combat contre l'infâme, comme a dit Voltaire, dans une partie de sa vie. Et dans une autre, vers 1755, il signait ses lettres en disant « Je vous salue en Confucius » pour montrer que les adversaires de la religion chrétienne en France étaient des disciples de Confucius. Parce que vous savez que dans toutes les familles aristocratiques de l'époque, on avait au fond de la chambre un petit autel où il s'agissait d'aller prier Dieu de manière à la fois discrète et intime.
Et Voltaire, lui, n'a évidemment pas un hôtel de cette nature, mais il a le portrait de Confucius devant lequel il se plaît à penser aux bienfaits de la philosophie et des théories qu'il a pu développer. Donc il y a là une espèce de pied de nez, si vous voulez, fait à la religion à travers le portrait de Confucius. La rédaction d'un nouveau type d'histoire mondiale non religieuse est une innovation sans précédent. Mais le problème est de savoir combien la Chine, louée par Voltaire et d'autres philosophes, est réelle. Le mouvement des Lumières en Europe est une révolution qui consiste à briser l'obscurité. Que ce soit Voltaire enfermé à Bastille ou Diderot arrêté pour la lettre sur les aveugles, ces philosophes étaient beaucoup plus heureux que leurs prédécesseurs exécutés et enterrés dans l'histoire. Toutefois, la Chine idéale, dans leur imagination, était en train de mener la persécution des lettrés, qui faisaient face tous les jours au risque d'être tués avec toute leur famille. Les philosophes des Lumières ne le savaient pas, ou ils ne voulaient pas le savoir. En février 1778, Voltaire, alors âgé de 84 ans, est retourné à Paris qu'il avait quitté 29 ans plus tôt. L'Académie française et la Comédie française lui ont ouvert leurs portes et les Parisiens se sont précipités pour le voir. Son Irène, tragédie en 5 actes, est devenue le paroxysme de son retour. Les cris « Vive Voltaire !» résonnaient dans la salle. Un mois plus tard, ce roi de la pensée de la France est décédé à Paris. À la fin de sa vie, face aux prêtres voulant écouter sa dernière confession, il leur dit « Laissez-moi partir tranquillement ». En 1789, la Révolution française a lieu. Dans la Constitution française réside « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. » La fièvre de la Chine s'est peu à peu calmée dans la flamme de la Révolution. Le progrès permet à l'homme de passer de la barbarie à la civilisation, tandis que la stagnation fait l'inverse. Une nation ayant une longue histoire pourrait perdre la capacité d'avancer dans la tyrannie et l'ignorance qui dure aussi longtemps. Après avoir allumé une autre lampe, la Chine n'était plus au centre des regards. La sinologie entrait dans une phase plus raisonnable.